Radio-Canada. Quatre chats et trois poussins, deux belettes et une souris. Une souris verte. Et le terreau, ça vient, oui? Oh, Bilou. Tout de suite, Bilou, tout de suite, là. Excuse-moi une seconde. Je vais porter le terreau à mon ami Bilou. Dépêche-toi. Bon, oui, oui, Bilou, attends, attends, là. Voyons. Mais Bilou, as-tu mis le verrou? Oh, mon Dieu, oui, c'est vrai. Bon. Attends une seconde, souris verte. Allez. Bon. Et voilà, là. Passe-moi le terreau. Vite, parce que je suis pressée, là. Mais voyons, Bilou! En as-tu assez, au moins? Oui, c'est parfait. Et puis à présent, là, je veux plus être dérangée. Non, personne ne va te déranger. Compte sur moi. Je laisserai passer personne. Il aurait pu me laisser voir, dans le fond. J'ai tellement hâte de voir le résultat de ces expériences. Jean Tufteuf, ça? Tu viens par ici? Youhou! Mais qu'est-ce que c'est que ces guirlandes, là? Qu'est-ce que vous faites avec les guirlandes, là? Monsieur l'agent Tufteuf! Oui? Vous allez à une fête? Ah, non, souris verte, non. J'en arrive. J'en arrivais? Eh oui. D'une fête? Oh oui. Et j'ai remporté le premier prix du concours régional de fleurs. Concours régional de fleurs. On vous a même décoré. Ah, bien sûr, j'ai gagné la grande médaille, souris verte. Avec ce géranium. Avec ce géranium? Oui. Il m'a l'air bien ordinaire, votre géranium. Justement, souris verte. Il est très ordinaire. C'est le résultat d'un savant croisement d'un géranium géant et d'un géranium nain. Non. Et j'ai obtenu ce résultat éboustiflant, comme je te dis, un géranium ordinaire. Vous êtes extraordinaire, agent Tufteuf, extraordinaire. Non, souris verte, extraordinaire n'est pas le mot, ce n'est pas tout, parce que j'ai l'intention de le présenter au concours national. Et ensuite au concours international. Et peut-être que je deviendrai le champion mondial de la fleur. Ah, vous n'aurez pas à vous placer toutes vos médailles, là. Oh, vous ne pourrez pas vous accrocher sur le devant, là. Si, entourloupette de popinette de souris, bien sûr. Je me préfère un costume large. Large comme ça. Et rembourré en dessous. Mon tour, loupette de popinette, t'imagines, souris verte, si je suis proclamé le champion mondial du géranium. Et j'aurai certainement les mêmes chances qu'aujourd'hui. Comment ça, les mêmes chances qu'aujourd'hui? Comment ça? Souris verte, j'étais le seul candidat au concours. Il n'y en avait pas d'autres? Ah non, il n'y en avait pas d'autres. On se comprend. D'ailleurs, j'étais très surpris de ne pas te voir participer à ce concours, ah, souris verte, parce que tu as de très jolies fleurs. Ouais. Mm-hmm. Digne de remporter un deuxième prix. Tiens, regarde par exemple celle-ci. Hmm? Oh. Ça, c'est une fleur qui remporterait facilement un deuxième prix. Oui, superbe. Elle est superbe, mes fleurs. Ils sont superbes, toutes mes fleurs, d'ailleurs. Celle-ci, elle est superbe. Mais c'est rien, ça. Attendez de voir celle que prépare Bilou Saint-Foin. Bilou Saint-Foin? Oui! Le vois-tu? Il est ici, dans la cabane aux outils. Oh, tourloupette de popinette. Je vais lui parler. Non, il ne veut pas être dérangé, Laisse faire, souris verte. Bilou Saint-Foin sera très heureux de parler avec le champion régional des fleurs. Bilou Saint-Foin, c'est moi, l'agent Tuff-Tuff. Ouvre! C'est pas le moment, agent Tuff-Tuff. Hein. Le moindre courant d'air serait fatal. Mais, Bilou, je veux simplement voir ta fleur. Vous la verrez tout à l'heure. De toute façon, elle n'est pas encore poussée. Tu pourrais pas me dire, Bilou, qu'est-ce que ça va donner exactement? Je sais pas exactement encore. Venez ici. Moi, je peux vous donner un petit aperçu. Ah oui? Ce qu'il est en train de faire, Bilou, là, c'est un croisement. Hein? Un croisement de marguerite et de carotte. Oh,
l'entourloupette de Popinette. Oh, ouais. Mais ça va être extraordinaire. Oh, ouais, j'essaie de voir ça, moi, j'essaie de voir ça. D'autant plus qu'il a consacré beaucoup de temps à cette expérience. Une carotte et une marguerite. Ouais. Oh, sur Hubert, moi, je baptiserais cette fleur. Ouais, c'est vrai. Entourloupette. Une margarotte. Margarotte? Oui. Margarotte? Une margarotte. On verra. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a, Milou? Qu'est-ce qui se passe, Milou? Ça commence à pousser. Oh, ça y est. Quoi? Elle pousse. Oh, Milou, comment est-elle? Oh, belle. Oh, elle continue à pousser. Oh, elle est toute poussée. Elle est extraordinaire. Milou, viens nous la montrer. Non, je vais faire beaucoup mieux que ça et je vais vous la donner. Et puis, je vais tout de suite vous faire pousser une autre. Cher Bilou. Il va nous la donner. J'ai bien hâte de voir ça, moi, sur une... Un instant, là, je prends mes ciseaux et puis je coupe. C'est Robert, il me semble déjà que... Oh, que je sens son odeur. Mais passe-la-moi, Bilou, passe-la-moi, veux-tu? Excusez-moi, parce qu'il faut que je me dépêche. Oui, tenez, la voici. Bilou, mais... Oh, tourne-pâte de Popinette. Oh, une margarotte. Oh, c'est fantastique. Quel génie, ce Bilou. Tourne-pâte de Popinette, tu reviens. J'ai l'impression que je m'enrhume tout à coup. Ben, tu vois, à tes souhaits. Vous m'avez donné votre rhume, vous. Moi aussi, j'ai éternué, c'est bête. On va la bibi, la fleur, on va la bibi, la fleur. N'éternue plus! C'est à cause de la fleur! C'est encore le pain de Popinet! On va faire une petite vérification quand même, hein? Très bonne idée. Au cas où. Ça ne peut pas être autre chose que la fleur. C'est bien la fleur, un tourloupette. Non, je vais faire une revérification. Vous restez là? Vous restez là. D'accord. On aurait dû l'appeler Margaracho. Margaracho, mais excellent idée, je reverse une Margaracho, tu vois. Mais cela nous prouve que, tu vois, les marguerites et les carottes, ce n'est pas fait pour être croisées ensemble, un tourloupette. Ça m'a étourdi, ça. Bien sûr. Il faut avertir Bilou 5 fois tout de suite! Bilou! 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 Bilou, ouvre vite, c'est très important! Bilou, écoute-nous! Il éternue! Achou! C'est ça, il éternue, lui aussi! Il a dû faire pousser sa deuxième fleur! Oh, Bilou! Achou! Bilou, tire le verrou immédiatement! Bilou! Sors de la cabane, viens dans le jardin, Bilou! Viens, Bilou! Je ne sais même plus où est la porte. Elle est ici, Milou. Je crois que le verrou est coincé. Moi, je vois plus rien. J'ai les yeux pleins de larmes. Il faut absolument faire quelque chose. Bilou, protège-toi la tête. Nous allons essayer d'ouvrir la porte. Oh, oui, Contourne-toi, t'as pas fini.
Non, tiens, là, d'ailleurs, j'ai peur qu'il soit derrière la porte, là. Oh, j'ai une idée. Bilou, regarde, dans le coin de la cabane, il y a une grosse malle. Oui. Une grosse malle. Dans le coin, Bilou, dans le coin. Oui. Réfugie. Je la sens avec mon pied. C'est ça. Mais réfugie-toi dedans, ferme le couvercle, tu es en sécurité. Ça va, ça y est, je ferme le couvercle, là. Bon, ça va, là. Ouf. Ça y est, là au moins, là, il est en sécurité. Hein? Jusqu'au moment où on va ouvrir la porte. Oui, mais là, ce qui m'intrigue, moi, dans Tourloupette, c'est qu'il ne pourra pas sortir de la malle à cause de la fleur qui est près de lui. C'est vrai, ça. Je le sais. Premièrement, il faudrait sortir la fleur. Ben voilà, excellente idée, souris verte, mais... Ouh, j'y pense une minute. Mais où est-ce que vous allez? Où est-ce qu'il va? Où est-ce que vous allez, agent de... Ouais, mon masque à gaz, souris verte. Tu vas passer ce masque à gaz. C'est une idée, ça. Regardez, là. Attention. Attention mes oreilles. Ne bouge pas, souris verte, Il est détaché. Il est derrière, c'est une toute petite minute, là. Ah! Elle est bien. Fais un bon nœud. Attends, je vais t'aider. Alors, tu as le masque à gaz, tu vas entrer à l'intérieur, tu vas sortir la fleur pendant que moi, je vais essayer d'ouvrir la porte. Ça va? Attention! Attention, tourloupette! Je fonce! Ah! Voilà! Oh! Va porter cette fleur, va l'enterrer le plus loin possible. Ah, moi, j'étouffe maintenant. J'arrive, Bilou, j'arrive. Oh, ouvrez vite le couvercle, j'ai besoin d'air. Oui, mon Bilou, j'ouvre, là. Tourne le popinette de serrure, le popinette. Patiente, Bilou. Souris-là, tu n'aurais pas la clé de cette fichue serrure. Ah, j'en peux plus, là. J'étouffe. Ah, souris-là, de toute façon, je n'entends rien de ce que tu dis. Je commence à m'énerver, moi. Oh, j'en ai assez, agent de teuf. Ouvrez, là, moi, je veux sortir. La seule solution, c'est d'apporter la malle chez le serrurier. Je vais immédiatement chez le serrurier du coin, souris-là. Ça y est. Agent de teuf! Youhou! Agent de teuf! Et quand vous serez allé chez le petit serrurier, là, revenez avec Bilou, hein? Oui, oui, bien entendu, Jean-Hubert. Et Bilou, quel rang des fleurs dans ton jardin? Ah, d'accord. Il a oublié son masque à gaz. Il m'a fait mal à une oreille, d'ailleurs, hein? Pour une fleur de margarote de marque. Parce qu'avec leur croisement, Bilou, c'est un fouet, là. Ça vaut pas mes belles fleurs odorantes et colorées, hein? J'ai planté vos pousses au milieu de l'été et j'ai vu pousser une fougère rousse. J'ai planté mon nez au milieu du soleil et j'ai vu danser des papillons vermeils. J'ai planté mon pied au milieu du ruisseau et j'ai vu jaillir de petits coquelicots. J'ai caché l'été au milieu de mes mains et dans ce tout nid, l'été n'a plus de fin.